dans ce journal, un raz de marée dans le Congo central. Les candidats numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a encore soulevé des foules comme à Kinshasa, Mwanda et Boma dans le Congo central étaient au rendez-vous. Le président de la République, candidat à sa propre succession, a présenté les bilans de son quinquennat et perspectives pour son second mandat en cas de victoire. Je ne vous en dis pas plus, les images parlent d'elles-mêmes. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une délégation des observateurs de l'Union européenne. Au menu, l'évolution du processus électoral qui entre en sa dernière ligne droite. Teti Samba et Jereto Fungé. Le train des élections est bel et bien en marche. Au deuxième jour de la campagne électorale, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, est au four et au moulin. Ce lundi 20 novembre, la mission d'observation de l'Union européenne, conduite par Maline Bujork, est venue prendre la température des opérations en cours auprès des responsables de la centrale électorale. Les observateurs électoraux seront déployés à travers le pays pour le suivi des élections du 20 décembre. La confirmation est du chef de la délégation qui a reçu des assurances du président Kadima quant à la transparence de ce processus qui, pour la première fois, se déroule dans le délai constitutionnel. On aura une représentation de presque toutes les régions. Il y aura donc 42 observateurs et observatrices de longue durée dans ces régions et on espère qu'ils partiront dans les prochains jours. Donc ça, ce sera un très important élément de l'observation, évidemment. On aura aussi des experts électorales, politiques et de médias qui travaillent ici sur place à Kinshasa, mais qui vont aussi voyager dans le pays, dans les régions différentes. Et finalement, on aura aussi le soutien du corps diplomatique, des ambassades européennes et d'autres personnels qui vont aussi faire partir des observations sur le jour d'élection. On compte peut-être avoir à peu près 80-100 observateurs et observatrices. La mission d'observation électorale se dit honorée pour la collaboration entre la CENI et cette mission, car la crédibilité de ces opérations en dépend.
sommet du G20 sur l'emploi. Avec une grande joie que nous adhérons à cette communauté. La candidature de la République démocratique du Congo Compact with Africa a été motivée par des objectifs stratégiques devant lui permettre de renforcer les efforts fournis à travers l'attraction des investissements et l'amélioration des cadres macroéconomiques, commerciaux et financiers. Cette entrée de la République démocratique du Congo au G20 lui permettra d'être non seulement partenaire, mais également bénéficiaire des appuis financiers attendus dans les cadres des réformes entreprises par le gouvernement. Le Premier ministre a aussi souligné que la RDC ne vient pas dans cette organisation comme simple bénéficiaire. Elle a aussi un apport considérable au sein de cette organisation en tant que l'un des pourvoyeurs stratégiques de ressources nécessaires au développement des entreprises de l'espace Compact with Africa. De par sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo dispose d'une économie résiliente et dynamique dont la croissance a été estimée à 8,9% en 2020. Cette économie repose sur une population majoritairement dominée par la jeunesse et dispose de ressources minérales, halieutiques, forestières, hydrauliques, dont la plupart sont rares, critiques et essentielles dans la transformation des énergies renouvelables et fossiles à la préservation de la couche d'ozone, ainsi pourvue d'énormes potentialités. La République démocratique du Congo se présente sur l'échiquier international en pays pourvoyeur de solutions aux défis mondiaux. Les chiffres de la Cour des comptes sont clairs. 41% de personnes ayant bénéficié des fonds publics n'ont pas été retracées au niveau de la Direction générale des migrations, DGM. C'est ce qui dit les rapports de la Cour des comptes sur l'audit de soins médicaux à l'étranger. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, en parle au micro des non-reporters. Suivant mon ordre de mission, numéro CAB, PPCC, bar CC, bar TKG, bar 096, bar 2023, du 12 mai 2023, il a été diligenté un audit sur les soins de santé à l'étranger. Cet audit
a concerné le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le ministère du Budget et le ministère des Finances. Le rapport produit à cet effet sera disponible sur le site de la Cour des comptes dès le lundi prochain. Le constat le plus important à relever ici est que sur un total de 873 personnes ayant bénéficié de l'intervention de l'État en rapport avec le soin de santé à l'étranger, 366 personnes demeurent assez non retracées au niveau de la DGM comme ayant effectivement quitté le pays pour des raisons de soins de santé, soit 41,92%. Les fonds, le 41%, représente un montant 10 524 154 552 francs congolais. La Cour des comptes considère que toutes ces personnes tombent sous le coup de l'infraction des détournements des deniers publics, fait prévu et puni par l'article 55 du Code pénal livre 2. En vertu de l'article 129 de la loi organique de la Cour des comptes, la Cour a décidé de transmettre dès le lundi prochain les dossiers à Madame le ministre d'État, ministre de la Justice, afin que les présumés détourneurs soient traduits devant les juridictions compétentes. Inspecteur de la police nationale congolaise en formation pour assurer une sécurité optimale au processus électoral. Inspecteur général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Philemon Patience Mouchid Diav, s'est rendu compte du déroulement de la dite formation tout en appelant les récipiendaires à la suidité. Déterminé à accomplir pleinement ses missions pendant cette période électorale, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philemon Patience Mouchid Diav, a rendu visite ce lundi 20 novembre 2023 aux 49 inspecteurs de la police en formation au centre Don Bosco de la Gombe. Objectif, c'est rassurer du déroulement de cette formation qui a commencé depuis le 18 septembre 2023, après un processus de sélection des candidatures bien respectées. Ces 49 inspecteurs constituent la 1e promotion de l'inspection générale de la police nationale congolaise qui seront déployés dans les différentes provinces durant cette période électorale. C'est vraiment juste l'inspecteur général de la police nationale congolaise. Il y a une 5e promotion qui est en train de suivre la formation. Suivre le cours. Il est demandé de voir en tant que patron de l'inspection générale de la police de venir dans de telles conditions. Ces apprenants, futurs inspecteurs de demain, sont en train de suivre leur cours. J'ai échangé avec eux et je rentre en tant que la police nationale bénéficiera pour de bons inspecteurs de la police. Cette formation prendra fin le samedi 25 novembre courant et ses inspecteurs prêteront serment devant les procureurs de la République dont toutes les formalités ont été déjà prises en charge par l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Philemon Patience Mouchid Diav. Il faut noter que cette formation est organisée avec le concours de certains partenaires qui appuient la réforme de la police dont l'Union européenne à travers par 3 DCAF et la MONUSCO. A soufflé il y a peu, à ses 50 ans, à ses 50 bougies, cet établissement de l'ESU a organisé en marge de cette célébration une série de journées scientifiques et portes ouvertes d'autres détails à travers ses commentaires. Dans cette salle, au sein de l'Institut facultaire de sciences, de l'information et de la communication, sont exposées les œuvres des quelques anciens de l'ISTIFACIC, des ouvrages scientifiques et culturels, des thèses de doctorat, des photos, des publications de la presse écrite et tant d'autres. Une exposition multimédia dans le cadre de la célébration du Jubilé d'or de la première et grande école du journalisme en République démocratique du Congo. Ouvert à tout le public, le directeur général de la Radio-Télévision nationale congolaise, ancienne de l'ISTIFACIC, 15e promotion et chef de travaux s'y est rendu. Sur place, Sylvie Elengeniembo a passé des moments forts en émotion et plein de souvenirs. C'est beaucoup d'émotion pour moi de voir que finalement nous sommes dans une grande école, n'est-ce pas, de formation. Et on n'en a peut-être pas saisi la portée, mais aujourd'hui avoir toutes ces tables remplies d'ouvrages, de journaux et qui marquent notre vie ici, c'est un grand moment.
Et je pense que ce genre d'activité devrait se reproduire assez fréquemment. Ça montre aux plus jeunes que le journalisme mène à beaucoup de choses, et la preuve est là. On a non seulement des enseignants, des chercheurs, mais également des grands politiciens qui sont ici, ailleurs, et voilà quoi, c'est beaucoup d'émotions. Lancé le 18 novembre dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, l'exposition multimédia pour les 50 ans de l'ISTIFACIC revêt non seulement un caractère scientifique et culturel, mais aussi mémorial. La République démocratique du Congo, un vaste chantier à ciel ouvert, a plus que besoin de métiers pour son développement. Géomètres et topographes font partie de ces professions utiles dont a besoin les pays de Lumumbali. NBTP a célébré son jubilé d'or et a organisé à cette occasion une journée scientifique sous les thèmes « Les métiers des géomètres, topographes et ses multiples défis », nous dit Rodépanda. La promotion géométrie, topographie, GT93, célèbre ses 30 ans d'existence. Une journée scientifique placée sous le thème « Le métier des géomètres, topographes et ses multiples défis » a été organisée dans l'amphithéâtre de l'INBTP. Plusieurs interventions de anciens étudiants, aujourd'hui devenus géomètres, professionnels de terrain, se sont succédées avec accent sur l'apport des géomètres dans la forêt face au changement climatique, au cadastre minier, dans la passation des marchés, des mines et le pétrole. L'étape des questions et réponses était d'une grande contribution pour une meilleure compréhension du sujet abordé. Cette école nous a permis, 30 ans plus tard, de dire que nous étions bien formés. Et voilà, avec les amis, éparpillés partout dans le monde, nous nous sommes organisés pour venir revoir notre ancienne école. Et à l'époque, c'était la meilleure école de l'Afrique centrale. Nous sommes heureux d'avoir partagé nos petites expériences avec nos jeunes étudiants. Et nous voulons que les jeunes puissent prendre conscience que nous puissions relever les défis, que l'ingénieur n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un, quand il a son diplôme ici, il est assuré de gagner sa vie. Ça fait un très grand plaisir de partager avec eux une journée spécialement scientifique qui nous a ouvert encore un esprit, qui nous a donné quand même des connaissances adéquates pour que nous puissions bien évoluer en termes de la formation que nous suivons de l'ingénierie en géomètre et topographe. La GT93 a saisi cette opportunité pour remettre à la section géométrie de l'INBTP un don de matériel didactique tels que les drones, l'ordinateur et des rames de papier, une façon de marquer leur passage dans cette institution de formation. Après la séance scientifique, le dimanche 19 novembre dernier était réservé aux festivités. La fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi Fosetch vient de totaliser une année depuis sa création. Son coordonnateur a vanté quelques réalisations de cette formation, nous dit Mamie France Zaina. C'est avec une joie immense que la fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi Fosetch a soufflé sa première bougie le 11 novembre 2023 dans la salle Monseigneur Marigny. Cette structure qui prône pour le progrès social le peuple d'abord a été honorée. À cette occasion, le coordonnateur de Fosetch, Jean-Jacques Kaniki, a mis l'accent sur la mission de la Fosetch qui est apolitique, chapeautée par M. Étienne Tshisekedi wa Tshisekedi, le fils biologique du fait, Dr. Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le sphinx de l'humédé. Cette structure vise à lutter pour les changements positifs de mentalité et lutte également contre la pauvreté et la famine dans toutes leurs formes. L'une de sa mission aussi, le développement communautaire. Deux temps forts avaient caractérisé cette journée, à savoir la messe d'action des grâces a été dite par le représentant légal de l'Église Nouvelle Apostolat, authentique Ena, apôtre patriarche Christophe Kabongo. Pour bien clôturer, le coordonnateur de Fosetch, révérend Jean-Jacques Kaniki, a soufflé la bougie, symbole de la fête. Kivu, la population de Bukavu a procédé à la plantation des arbres, nous dit Sandra Nyangitabou à travers ses reportages.
Comment lutter contre les catastrophes naturelles liées au changement climatique, érosion hydrique, glissement des terrains, inondations, mais aussi la lutte contre la sédimentation des barrages hydroélectriques de Ruzizi 1 et 2, le maire de la ville de Bukavu, M. Zénon Karumba Chikuta, se base sur la nature et apporte des solutions de grande envergure pour une résilience climatique et hydrique dans les zones urbaines de Bukavu. Plusieurs arbres ont été plantés ici lors du lancement de cette campagne et le maire de la ville de Bukavu, Zénon Karumba, lance ce message fort à l'endroit de ses administrés. On demande à la population de Bukavu de planter chacun un arbre dans sa parcelle et de garder les arbres que nous allons planter. Et les entretenir même parce que c'est leur bien, c'est leur bien propre, c'est leur plantation. Ça appartient à toute la ville de Bukavu. Même la périphérie sera aussi. On fera un effort de pouvoir distribuer s'ils trouvent la nécessité de les aider avec les plantures qu'on peut leur donner. Protéger la ville de Bukavu contre les méfaits du changement climatique, ce projet va en outre créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Ce partenariat entre la mairie de Bukavu et Uvira ainsi que World Resource Institute, une organisation basée à Washington, est financé par la Fondation Capillar. Quand il pleut, c'est tout le monde qui a peur. Il y a les glissements de terre. Il y a l'inondation. Donc si on plante tous ces arbres, le projet qu'on vient de lancer aujourd'hui, nous espérons que ça va endiguer tous ces problèmes qu'on rencontre, surtout qui sont liés au changement climatique. La ville de Bukavu va revêtir donc de sa plus belle robe et les espaces verts vont reprendre vie. Le lac va être débarrassé des nombreux déchets. La population, elle, aura un rôle à jouer, un changement de comportement et de mise. Au Kassai, les structures médicales sont construites dans la zone de santé de Kamwecha et la centrale des médicaments essentiels de Chikapa, travaux financés par la Grande-Bretagne. D'autres précisions dans ces reportages de notre confrère Franklin et Claire Kalombo-Abatanda de la RTNC Chikapa. En séjour à Chikapa, la délégation de l'ambassade britannique s'est rendue dans la zone de santé de Kamwecha où le bénéficiaire du projet SEMI ont réservé un accueil sans pareil à cette délégation à Kakumba, tout en témoignant leur gratitude à cette équipe. Séance de travail avec les professionnels de santé de la zone de santé de Kamwecha, où le médecin-chef des zones n'a eu que des mots justes pour exprimer sa joie. Au jour d'aujourd'hui, grâce à ce projet, les femmes, nous avons eu à réduire sensiblement le taux de décès maternel. C'est d'abord un point positif, puisque aujourd'hui, en dehors des décès maternels enregistrés dans la communauté, mais au niveau des établissements de soins de santé, vous sentez que les taux est vraiment réduit. La délégation a également visité la CEDIMET qui est financée par UCAID dans le cadre du projet ASSR. Les besoins du peuple sont au moins satisfaits. Ils vont chez les cliniques, ils reçoivent les médicaments qu'ils ont besoin. Mais aussi, on a constaté qu'il y a aussi beaucoup de défis ici et de challenges qu'on va rentrer à Kinshasa et penser comment on peut améliorer et travailler avec d'autres bailleurs et d'autres partenaires pour des leçons apprises et comment améliorer les projets. Les enfants vulnérables vivant avec handicap basés à Kamalenga ont été également visités par la délégation. Kadefa et l'école Kizito ont bénéficié de la visite de la délégation dans le cadre du projet Axe Filles visant à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation pour l'enfant kassaïen. Le 1er décembre, c'est dans quelques jours, une journée dédiée à la bienheureuse Marie Clémentine Anualité Nengapeta. À cette occasion, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bassian Nenanga, prépare déjà les terrains pour les pèlerinages. C'est un reportage de notre confrère Damas et Solé de la RTNC Isiro. Quelques jours seulement nous séparent du grand rendez-vous de pèlerinage commémoratif, la martyre de bienheureuse Marie-Clémentine Anualité Nengapeta. Le 1er décembre de chaque année, l'événement se déroule habituellement dans ce site destiné à la construction du sanctuaire en prévision de sa canonisation.
Soucieux de le rendre accessible et agréable, le gouverneur Christophe Bazianenga diligente des travaux d'ouverture de nouvelles artères, de part et d'autre, les travaux d'entretien et surtout ceux de construction des tentes et chapiteaux assez larges sur fonds propres du gouvernement provincial. C'est le but de sa descente d'inspection à cœur joie de ses travaux sur ces sites historiques le dimanche 19 novembre 2023. Occasion pour le pragmatique gouverneur Christophe Bazianenga de donner des directives et orientations afin d'offrir à ses hôtes un séjour confortable pour l'honneur de la ville d'Issiro en particulier et de la République démocratique du Congo en général, la bienheureuse Marie-Clémentine Anolite Nengapeta étant devenue un patrimoine pour les chrétiens du monde entier. Celle et la nouvelle société civile s'accordent pour une coalition afin de mener des actions communes. D'autres explications avec Redépanda. La société civile congolaise et la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL veulent coaliser pour garantir des élections crédibles, transparentes et apaisées en vue de mettre en confiance les électeurs et les acteurs politiques. Pour gagner ces paris, les deux structures de la société civile, à travers la coalition des missions d'observation électorale citoyenne CO-MOEC, disposent d'une grande équipe de ressources humaines à 80%. Mais au-delà de tout, il faut mobiliser des fonds, d'où la demande auprès de tous les Congolais qui peuvent apporter leur contribution volontaire pour soutenir cette action. Martel, Luc Lotalakiadi et Robert Kabakele, respectivement coordonnateur national de la CIMOCEL et coordonnateur de la nouvelle société civile. Ils expliquent l'importance de cette action citoyenne. La CIMOCEL et la nouvelle société civile congolaise ont résolu de mutualiser leurs forces pour être plus fortes davantage dans une mission domestique qui est citoyenne pour contribuer, n'est-ce pas, à la crédibilisation des élections de décembre 2023. Nous sommes déjà sur terrain dans les 26 provinces avec des observateurs de long terme qui sont déployés. La CIMOCEL a déployé 20 000 observateurs au cours du dernier cycle, 19 000 exactement. Et donc nous sommes revenus dans le même gap, nous avons des équipes qui sont sur terrain. Maintenant, il est question vraiment que nous puissions travailler d'arrache-pied pour mobiliser les moyens qu'il faut et motiver les équipes qui sont sur. Tous les états-majors et différentes institutions du pays en ébullition autour des élections, la tenue de ces scrutins se confirme de plus en plus. Religion, un culte d'action des grâces a été organisé à Kinshasa, culte organisé à l'occasion de la réélection du représentant légal de l'Église du Christ au Congo, André Gédéon Bokundo Abolikabé, à la tête de la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC. Anastasie Doumbou et Joël Makela nous en disent un peu plus. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, tel est le thème choisi pour la grande célébration du culte dénommé Yahweh Merci, organisé dimanche 19 novembre 2023 à la cathédrale du centenaire protestant par la communauté baptiste du fleuve Congo, à l'occasion de la réélection du révérend docteur André Bokundoa à la tête de l'église du Christ au Congo ainsi que dans sa communauté. Au cours de ce même culte, le numéro 1 de tous les protestants en République démocratique du Congo a été décoré par la branche scout au titre des bâtisseurs pour les multiples réalisations et tâches accomplies tout au long de son parcours à la tête de l'église. Ce dernier a manqué de mots pour remercier le fidèle pour cette confiance renouvelée en sa personne. Le prédicateur du jour, le révérend Guillaume Losso, est revenu sur l'essentiel de sa prédication tirée du livre des psaumes 126 au troisième chapitre. C'est un message que les peuples juifs ont compris que d'eux-mêmes ils étaient incapables de revenir au pays parce qu'ils étaient en exil sous la domination des Babyloniens et sous la domination des Assyriens. Et Dieu va utiliser les rois assyriens de faire un décret pour que le peuple juif rentre. Et là, c'est Dieu. Le révérend Robert Colli, secrétaire général des CBFC, ville de Kinshasa, a pour sa part remercié le Seigneur d'avoir rendu possible cette journée tout en appelant à l'unité au sein de la communauté. Je remercie le Seigneur qui a inspiré
que ce qui puisse avoir lieu. Restons unis, c'est un honneur pour notre communauté. Depuis que l'ECC existe, c'est la toute première fois qu'il y ait un baptiste qui soit élu président de l'ECC et qui fait deux mandats. C'est un honneur pour nous. Il s'est de noter que ce grand culte a connu la participation de plusieurs fidèles de la communauté baptiste du fleuve Congo venus de ces six régions ecclésiastiques ainsi que ceux de la capitale, y compris les élèves des différentes écoles protestantes. Et puis, c'est communiqué de l'état-major général de forces armées avant de poursuivre ce journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour n'importe quel motif avec les forces négatives, notamment les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au sein de nos forces armées. À ces sujets, les principes de tolérance zéro est désormais des strictes. Application faite à Kinshasa le 21 novembre 2023. Ces communiqués portent la signature des Ekenge Bomusa Ifomi Sylvain, général-major. C'est l'heure de la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour à tous. Fatshi Omoande, Moanda sera électrifié d'ici le 20 décembre, affirme Forum des As. Le courant électrique sera installé à Moanda d'ici le 20 décembre prochain. La promesse du candidat président numéro 20 a été accueillie avec une grande clameur par la population qui s'est assemblée lundi 20 novembre au courant à la place de la cité de Moanda où elle était tout yeux, tout oreille pour suivre le message du candidat président. Le récurrent problème du courant électrique, le port en eau profonde de Banana, le chômage, l'insécurité, le taux de change, la diplomatie, la gratuité de l'enseignement de base, celle de la maternité, autant de sujets, note le journal que Fatshi Béton a évoqué dans son message à la population de Moanda. Kisangani désigne Katumbi président, titre pour sa part ouragan.cd. Moïse Katumbi a lancé sa campagne à Kisangani le lundi 20 novembre 2023 pour le journal. Le numéro 3 a été accueilli à l'aéroport de Bangoka par une foule immense avec qui il a parcouru plus d'une dizaine de kilomètres depuis l'aéroport de Bangoka sous les acclamations, chants et cris de joie de la population. Le leader d'ensemble a promis, une fois élu, de combattre les maux qui rongent la nation congolaise et d'œuvrer pour le bien-être du peuple congolais. 7sur7.cd annonce le lancement de la campagne de Fayoulou à Bandundouville. Martin Fayoulou, écrit le journal, a choisi la ville de Bandundou dans la province du Kwilu pour lancer sa campagne. Dans son meeting, Martin Fayoulou a appelé la population de cette partie de la République démocratique du Congo à voter pour lui. Il s'est engagé à résoudre les problèmes des Congolais une fois élu à la tête du pays. Martin Fayoulou s'est présenté comme le candidat de la rupture et de la lutte contre les antivaleurs. À la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU discutera aujourd'hui de la situation en RDC, rapporte Vrai Thématique. Selon les sources onusiennes contactées par AfricaArtu.net, écrit le confrère, cette réunion va se pencher sur les récentes allégations de fautes graves, y compris d'exploitation sexuelle de la part des membres du contingent militaire sud-africain de la MONUSCO en République démocratique du Congo. De ce journal, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Matadi, précisément dans la commune de Nzanza et partout dans la province. Du Congo central, l'actualité revient à 19h avec Marie Calon Iguezia. En attendant, bonne suite de programmes sur la chaîne nationale. Au revoir.